Comment, et, trois chansons. Je demande. Non, non, là on va chanter. Comme il olé de non le bas. Non, non. Le troisième carabal qui a non. Tu non. feras une chanson en lingala un jour, totalement en lingala, c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'en parlais hier en plus. Ça, non, j'ai. C'est quoi le femme combo? Oui, ma bande mon linda. Oui, ma reine. Reine que j'ai aujourd'hui. Voilà. Pour moi, tout le monde a un modèle ou un exemple ou ça aurait dû être ça aurait, pour un garçon on dit souvent que ça doit être une figure masculine mais pour moi c'est pour moi c'est ma mère. Je suis d'accord. J'appuie ça. Mais tu as un problème avec ton public de Kinshasa. Comment ça? En 2018 il y avait une production de toi ici au pays. Mm-hmm. Et tu sais toi tes fans ce sont nos enfants. Ouais. Nos enfants que nous amenons au concert, que nous ramenons à temps. Mmh. Et c'est posé un problème. Jusque 20h, Dadju n'était pas sur le podium. Et les enfants, beaucoup étaient frustrés. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Comment ça va se passer? Bah, écoutez, déjà, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'ai ce problème-là, pas que à Kinshasa. J'ai eu ce problème-là déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Mmh. Effectivement, ça se passe jamais comme prévu. Si on dit qu'on doit chanter à 20h, il y a toujours un peu de retard. Le retard, c'est pas moi qui j'ai pas encore mis mes baskets ou je sais c'est pas. Dadju qui a été traité de tout le monde. C'est pas ça. Ouais, parce les que enfants, c'est sont fâchés. J'en parle parce que j'étais là en fait. Au final, c'est sur moi que ça va. Au final, c'est sur moi que ça va tomber. Mais en fait, il y a toujours des problèmes d'organisation. Ça veut dire que j'essaye de faire passer énormément d'artistes. Okay. Ensuite, ça se passe mal avec certains artistes. Donc, il y a des artistes qui mettent du temps. Ensuite, il y a des problèmes techniques. Le micro, finalement, il n'est pas arrivé. Finalement, il n'y a pas ça. Finalement, il faut ça. Si ça tient qu'à moi, je fais une tournée en France. Je chante tous les jours à 21h. Et le 21h pile, je suis sur scène. J'ai pas de problème à être à l'heure. Le problème, c'est juste que l'organisation d'ici, c'est toujours en Afrique, et là, c'est toujours et là, compliqué. Qui t'organise pour qu'on arrange ce problème là maintenant là, ben là enfin, j'essaye, les enfants ne te... j'essaye de mettre des choses en place. Je continue quand même à inviter les artistes au maximum pour qu'ils puissent performer quand même, parce que ça peut être la chance de leur vie. Par contre, je fixe une heure qui fait que si vous dépassez cette heure là c'est trop tard, c'est mort. Moi je vais venir chanter quand même, donc j'essaye quand même d'essayer de gérer au maximum. Après je peux pas porter les gens sur scène et les emmener à l'extérieur, je peux pas faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect aussi. Alors Dadju est à Kinshasa, ouais. C'est le 11. Alors nous revenons à la réalisation pour le spot, suivre le spot qui annonce cet événement, et on revient à Dadju juste après. Je suis très impressionné. Merci, Dadju. Alors, tu as réalisé un featuring avec Fally. Ouais, c'est ça. Un coup. Ouais. Et ça, c'est parti là. Ouais, ça a bien fonctionné. Hein. Ça a bien fonctionné. Je suis content. Fally et moi, on a fait plusieurs titres ensemble et là. Et ça a souvent fonctionné. Et quel est le featuring de ton rêve? Tu rêves de réaliser un featuring avec qui? Enfin, au Congo, je suis au Congo. Reste ici. Il y a un featuring de rêve que tu as je dirais que c'est avec mon père. J'ai pas encore fait de featuring avec mon père. Tu connais ces chansons quand même? Bien sûr. Ah, comme quelle chanson? Dalida. Ah ça, c'est de la triche, là. Oh, maman Dadju. Oui. Tango bon. Tango te, maman. Bon, à moi, là. Ouais. On a banu à Bissot, c'est-à-dire banu tout mera ou afin de rabanda kouana, français, mais mera ba vingtaine ba zongi. Moi, c'est le gros zali, organisateur ouana au côté de Gambouana pour essayer de m'emballer au Rwanda. Il faut bailler kaka, il faut bailler kaka pour y emballer au yo, mais comme ça là effort de façon que ça là. Et ça là, mon boulot était, bah il a moins la terre. Bah il n'a été pris à rappel toujours, c'est pas de sa faute en fait. Alors, Dadju, on va se terminer parce qu'on est en direct. Ton message par rapport à cet événement, pour qu'il y ait plus de quoi que de la fois passée. Comment ça... Et dis-moi, tu vas me faire vraiment trois chansons ou bien c'est comment là? Et trois chansons? Je demande. Non, là on va chanter. Comme il olé de non, le bas. Non, le bas. Le troisième carabal qui a kenaï. Non, pas possible. Tu feras une chanson en lingala un jour?
totalement en lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, j'en parlais hier en plus. Non, j'ai moi lingala mukete, c'est quoi hier, ça me combine. Oui, ma banze mon nid d'adjo, oui, ma reine. Reine. Na jaloux. Jaloux. Un coup. Exactement. Na papa, t'aimes bien papa? Oui, ça c'est émouvant. Non, il y a plein. J'ai jamais chanté trois chansons. À chaque fois que je suis venu à Kinshasa, j'ai toujours chanté au moins deux heures. Okay. Là, on va refaire ça. Et donc voilà, venez nombreux au Shark Club. Oui. Ça va être, on va faire la fête. Ça fait des années que je voulais venir ici. Je voulais passer aussi un joyeux anniversaire à Yann Belil. Beleke, pardon. Et voilà, tout mon public ici à Kinshasa. Je suis ici, je suis venu, je suis là pour un bon moment. Le bal à lingala, c'est quoi? Boya et Bélé, naba maman, naba nabana, naba papa. Franchement, tout ça la fête, c'est copé là. On est ensemble. Oh, oh. Ok, donc moi d'adieu. Tout coûte en allant, c'est hein? Bah oui. Et entre temps, il y a les tournages de films aussi. Le film, tu le fais aussi en même temps. Les acteurs, tout est bon, c'est bon. Ouais, c'est tu n'en rajoutes pas. Hein. Bon, si jamais tu as besoin, on est d'accord. Merci, merci à vous tous qui nous avez suivis. On était en direct sur la télévision nationale. Et on recevait pour vous le fils de comment hey, trois chansons. Je demande. Non, là, on va chanter. Tu as commis le lendemain, le bas. Non, feras une chanson en lingala un jour. Totalement en lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'en parlais hier en plus. Non, j'ai. C'est quoi ça me oui ma reine reine que j'ai aujourd'hui donc voilà pour moi tout le monde a un modèle ou un exemple ou ça aurait dû être ça aurait pour un garçon on dit souvent que ça doit être une figure masculine mais pour moi c'est pour moi c'est ma mère. Je suis d'accord. J'appuie ça. Mais tu as un problème avec ton public de Kinshasa. Comment ça? En 2018, il y avait une production de toi ici au pays. Et tu sais, toi, tes fans, ce sont nos enfants. Ouais. Nos enfants que nous amenons au concert, que nous ramenons à temps. Il s'est posé un problème. Jusque 20h, Dadju n'était pas sur le podium. Et les enfants, beaucoup étaient frustrés. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Comment ça va se passer? Bah, écoutez, déjà, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'ai ce problème-là, pas que à Kinshasa, j'ai eu ce problème-là déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Effectivement, ça se passe jamais comme prévu. Si on dit qu'on doit chanter à 20h, il y a toujours un peu de retard. Le retard, c'est pas moi qui j'ai pas encore mis mes baskets ou je sais pas. C'est Dadju qui a été traité de tout le monde. C'est pas ça. Ouais, parce les enfants se sont fâchés. J'en parle parce que j'étais là en fait. Au final, c'est sur moi que ça va. Au final, c'est sur moi que ça va tomber. Mais en fait, il y a toujours des problèmes d'organisation. Ça veut dire que j'essaye de faire passer énormément d'artistes. Ensuite, ça se passe mal avec certains artistes. Donc, il y a des artistes qui mettent du temps. Ensuite, il y a des problèmes techniques. Le micro, finalement, il n'est pas arrivé. Finalement, il n'y a pas ça. Finalement, il faut ça. Si ça tient qu'à moi, je fais une tournée en France. Je chante tous les jours à 21h et le 21h pile, je suis sur scène. J'ai pas de problème à être à l'heure. Le problème, c'est juste que l'organisation d'ici, c'est toujours en Afrique, là, c'est toujours compliqué. Et là, qui t'organise pour qu'on arrange ce problème là maintenant là? Ben là, en fait, les enfants ne te... j'essaye de mettre des choses en place. Je continue quand même à inviter les artistes au maximum pour qu'ils puissent performer quand même, parce que ça peut être la chance de leur vie. Par contre, je fixe une heure qui fait que si vous dépassez cette heure là c'est trop tard, c'est mort. Moi je vais venir chanter quand même, donc j'essaie quand même d'essayer de gérer au maximum. Après je peux pas porter les gens sur scène et les emmener à l'extérieur, je peux pas faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect aussi. Alors Dadju est à Kinshasa, ouais. C'est le 11. Alors nous revenons à la réalisation pour le spot, suivre le spot qui annonce cet événement, et on revient à Dadju juste après. Je suis très impressionné. Merci. Dadju, alors tu as réalisé un featuring avec Fally. Ouais, c'est ça. Un coup. Ouais. Et ça, c'est parti là. Ouais, ça a bien fonctionné. Hein. Ça a bien fonctionné. Je suis content. Fally et moi, on a fait plusieurs titres ensemble et là. Et ça a souvent fonctionné. Et quel est le featuring de ton rêve? Tu
tu rêves de réaliser un featuring avec qui? Enfin, au Congo, je suis au Congo. Restons ici. Je dirais que c'est avec mon père. J'ai pas encore fait de featuring avec mon père. Tu connais de ces chansons quand même? Bien sûr. Ah, comme quelle chanson? Dalida. Ah ça c'est de la triche là. Maman Dadjo. Oui. Tango Bode. Tango Té maman. Buena moana. Ouais. Anna ni on a banu abiso. C'est-à-dire, Dadjou, on va se terminer parce qu'on est en direct. Ton message par rapport à cet événement, pour qu'il y ait plus de quoi que de la fois passée. Comment ça... Et dis-moi, tu vas me faire vraiment trois chansons ou bien c'est comment? Eh, trois chansons? Je demande. Non, là on va chanter. Non, non, non. Non. Tu feras une chanson en lingala un jour? Totalement en lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. J'en parlais hier en plus. C'est vraiment lingala, mon quête. C'est quoi, oui, ça me comprend. Oui, ma bande, mon nid, Dadjou. Oui, ma reine. Reine, na jaloux, jaloux. Un papa. Coup, exactement. Oh. Na papa. T'aimes bien papa? Oui, ça c'est émouvant. Non, il y a plein. J'ai jamais chanté trois chansons. À chaque fois que je suis venu à Kinshasa, j'ai toujours chanté au moins deux heures. Okay. Là, on va refaire ça. Et donc voilà, venez nombreux au Shark Club. Oui. Ça va être, on va faire la fête. Ça fait des années que je voulais venir ici. Je voulais passer aussi un joyeux anniversaire à Yann Belil. Beleke, pardon. Et voilà, tout mon public ici à Kinshasa, je suis ici, je suis venu, je suis là pour un bon moment. Boya et Bélé, Naba Mama, Nabana, Naba Papa. Franchement, tout ça la fête, c'est copé là. On est ensemble. Ok, donc moi Dadjou, tout coûte en allant, c'est hein? Bah, oui. Et entre temps, il y a les tournages de films aussi. Le film, tu le fais aussi dans le temps. Les acteurs, tu es bon, c'est bon. Ouais, c'est tu bon. N'en rajoutes pas. Hein. Bon, si jamais tu as besoin, on est d'accord. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On était en direct sur la télévision nationale. Et on recevait pour vous le fils de mon entier, botan les langues. Congo température, y'a maman Rosette la fleur. Nadamou. Congo température, et y'a na mon pépé asika. Y'a tobinae, Congo température. Et y'a na mon pépé asika. Y'a tobinae, Congo température.